Hello. Et salut, c'est Antoine. Allez, sixième épisode de Un jour à un colosse. Donc déjà 5 de vaincus en 1h37. On charge la partie, c'est parti comme d'habitude, petit chargement. Et comme d'hab maintenant, et ben, je vous laisse profiter de la petite cinématique d'introduction. Voilà, donc un géant caché sous un temple. Très très bien, ça s'annonce plutôt pas mal. Donc voilà, hein, petit evac comme d'habitude, voilà, très très bien. Et ensuite, ouais, je me suis rendu compte, j'ai fait une grosse connerie, donc à l'épisode 5, et ben, en butant le lézard qu'il y avait là-haut, j'ai fait une grosse connerie parce que j'aurais dû simplement et ben, lui tirer sur sa queue pour qu'il reste en fait, pour que sa queue repousse et que ben il soit toujours là et que je puisse me faire une petite queue de lézard avant chaque colosse. Bon, c'est pas grave, hein, écoutez, de toute façon, comme j'ai dit déjà dans la première vidéo ou la deuxième, je sais plus, j'ai fait tout le jeu la première fois sans manger une seule queue de lézard, donc bon, écoutez, ça me semble plutôt possible. Alors, c'est par où? C'est par là-bas. Très bien, on est parti. On y va, on y va. Une région de la map qu'on n'a pas encore explorée. Enfin, en même temps, chaque colosse est dans une région différente. Donc, c'est un petit peu con ce que je viens de dire. Il me semble que là, on va aller traverser la forêt. C'est plutôt pas mal. Toujours la grande plaine, hein, avec la vue sur le temple. Le magnifique temple. Enfin, magnifique, oui. Bah, c'est une architecture plutôt originale, j'ai envie de vous dire. Voilà, on passe par là, très bien. Très très bien. Alors, on va aller faire un petit tour dans la forêt, tiens. C'est plutôt sympa la forêt, moi j'aime bien les forêts. Il me semble pas qu'il y ait de colosses, qu'on affronte de colosses dans la forêt, il me semble pas ça. Alors, voilà, on y est, ok. Donc là c'est assez tortueux comme paysage. Ah oui, alors il me semble aussi qu'il y a des lézards près des temples comme ça là. J'ai cru voir ça sur des tests ou des trucs comme ça. Ah oui, regardez-le! Il croit que je l'ai pas vu. Il croit que je l'ai pas vu. Il est où? Non, j'ai rêvé, j'ai halluciné. Je suis sûr d'avoir une queue de lézard bouger là. J'en suis sûr quoi. Il est où? Il est où? Non, j'ai rêvé. Ah putain, j'ai rêvé. Ah non, il est là. Ah oui, lui, il a une queue blanche, voilà. Donc lui, sinon, il y a un lézard qui où il faut, voilà, il faut lui tirer sur la queue. Donc là, je vais faire un petit zoom avec R2. Putain, c'est chaud. Alors voilà, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai eu sa queue, j'ai fait quoi là? J'ai tiré à côté, simplement. Ok, j'ai rien eu du tout, j'ai fait le gros noob comme d'habitude. Et en plus, ouh, mais il est vif le salaud là. Il est pire qu'un colosse, regardez-le! Il est pire qu'un colosse. Alors. Et il me nargue, il... Ah ouais, d'accord, tu t'arrêtes. Putain, j'ai même pas réussi à lui tirer dessus, il s'est arrêté à mes pieds quoi. Oh, il est saoulant lui. C'est pire de... Franchement, je préfère encore shooter un colosse que shooter un lézard. Il y a encore plus de fun, quoi. Oh là là, voilà. Ah, arrête de bouger un peu. Ah oui, aggro l'a retourné. Bim, dans la queue, parfait. Oh, ça c'était beau, ça. Ça c'était beau, oui.
Voilà, merci Agro. Donc là, voilà, le lézard est encore en vie. Donc c'est-à-dire que si je repasse dans le coin, eh ben, je pourrais lui reprendre sa queue et donc regagner encore un peu de stamina. Voilà, très bien, très très bien. Ça c'est donc fait. Le petit lézard de la vidéo c'est fait. Hop, on y va maintenant, mon petit Agro. Envoie du gros. Oh, c'est un peu facile ça. C'est par où? C'est même pas une forêt, c'est un pauvre petit bois. Je vais quand même pas pouvoir me perdre là-dedans, quoi. Hop. Sans son épée, c'est une bonne idée, ça. C'est par où? C'est par où? C'est là-bas. C'est là-bas, mais à mon avis, pour y aller, ben, j'ai pas vraiment le choix, hein. Faut que je passe par là. À moins que je fasse le coup de la chute libre, comme j'ai dit. Ça, je le faisais bien, ça. Sauter de la falaise. Voilà, hop, raccourci. Après, t'appelles Agro, ben Agro, il prend le chemin classique, hein. Il est pas con, Agro. Allez, on va limiter les conneries. Oh! Si, ouais, c'est là-bas, hein. C'est là-bas, c'est bon, bonne direction. Donc là, on passe d'une forêt où le soleil ne passe pas, et bim, on arrive dans un désert baigné de soleil. Très sympa. Et le temple, il est au bout, là-bas, parfait. Parfait, parfait. Putain, c'est vraiment beau, hein, quand même. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, les décors épurés comme ça, je trouve ça vraiment sympa. C'est pas du goût de tout le monde, effectivement. Mais bon, si vous en êtes déjà au sixième épisode, c'est que le jeu vous plaît un petit peu, normalement. Donc, je suis un peu con de poser la question. Allez. Ok, nous y voilà. On saute de aggro. Est-ce que j'ai bien fait de sauter d'aggro? Ouais. On va dire que oui. L'entrée, elle doit être là, l'entrée. Ouais. Voilà, ça j'adore. On découvre des nouveaux lieux comme ça, c'est vraiment vraiment bien. Par contre, ce que j'ai jamais fait en fait, c'est d'aller sur les lieux avant qu'on ait affronté le colosse. Par exemple, ce temple, il était totalement accessible même dès le premier colosse. Donc c'est vrai que faudra que je réessaye dans une deuxième partie, juste d'aller voir si on se rend sur les lieux. Est-ce que le colosse est là? Est-ce qu'il pop comme ça? Ce serait sympa de savoir. Allez. Là, ça rappelle un petit peu Ico, hein. On se balade dans un grand temple comme ça. Enfin, c'est plus une prison dans Ico, mais bon. Non, ouais, ça rappelle vraiment Ico, là. On dirait qu'ils ont pris un décor de Ico, qu'ils ont fait un copier-coller. Vraiment, ça fait trop penser à ça. Ouais, donc Ico, si vous l'avez pas fait, je vous le conseille, hein, etc., etc. On se laisse tomber. Voilà. On y va. On se rattrape. Tac, là ça fait un petit peu. Dans quel jeu on faisait ça? Dans Assassin's Creed, ouais, ça fait un peu Assassin's Creed. Wow! Non, c'était dans Mirror's Edge qu'on faisait ça. Ok. Voilà, donc lui, il défonce pas sa porte. Il ouvre sa porte. C'est pas comme le paresseux là, de l'épisode 2, là. Gros bourrin qui défonce la porte. Non, lui il est bien, lui. Il ouvre sa petite porte. À la maison. Pardon, pardon, je suis un peu fatigué. Et oui, le chômage, ça fatigue. Ah ouais, je l'aime bien, lui, il a du style avec sa barbe. Lui, il a du style. Ouf, ouais, il est vraiment costaud. Ok, donc là, le but de la manœuvre, ça va être de se rendre au fond du temple. Pour ce faire, il faudrait que notre ami démolisse ces murs qui m'empêchent de passer, s'il vous plaît. Je me rappelle plus que. À moins... Ah, je peux les sauter. Non, ok, j'ai rien dit. Je peux sauter les murs, donc c'est parfait. C'est parfait, hein. Vas-y, saute ça. Voilà. Allez hop, on y va. Où t'en es, toi, de ton côté, le colosse, là? Il m'a même pas vu. Très bien. Très bien, non. Est-ce que je pourrais l'attirer de là-bas? Ouais, je vais l'attirer. Je vais passer ce mur et je vais l'attirer là-bas. Hop. Hop, voilà, donc celui-là, je m'en souviens assez bien. En fait, les 6-7 premiers, je me souviens. Oh merde! Voilà. Là, faut que je me dépêche un peu, il me rush dessus. Il s'est fait un... Il se la joue rush UMP là. Oups là, allez, grimpe. Allez, mon petit gars. Vas-y, hop! Ouh là là là. Je le sens, il est tout proche. Allez, allez, allez. Ok. Nous y voilà. Oh bah même pas besoin de l'attirer, il est juste là. Vite, saute. Ouh, poupou. Donc là on va aller se réfugier ici.
On se réfugie. On est content. Allez. Viens me voir. Vous voyez, lui, il est à... Niveau zone poilue, il est pas bien garni, quoi. C'est pour ça que pour l'atteindre, ça peut être un peu compliqué si, voilà, au début, on sait pas trop ce qu'il faut faire. Oh! Ok. Ok, il se la joue mec vénère. Ah! Fait que je... Merde! C'est ça, fait que je grimpe sur la main. Zut alors. Ou peut-être que... Non, non, c'est bon, voilà, c'est bon. Allez, reviens! Ah non! J'allais m'accrocher sur sa barre, mais il a enlevé... Allez, j'y suis, là! Allez! Accroche-toi à sa barbe! Ah, mais imaginez le truc. Faut s'accrocher à la barbe du colosse, quoi. Ça, c'est vraiment très très bon. Ça. Vas-y. Tu me vois, là? Ne bouge plus, ne bouge plus! Oui, parfait! Parfait, parfait. Je suis dans sa barbe, là. Bien garni, sa barbe, en plus. Très belle barbe, ça, hein. Point faible, point faible. Il me semble qu'il y en a un dans la main. De point faible. Je ne suis pas sûr. Ce sera confirmé. Oh là là. Alors, il m'a l'air un peu énervé celui-là aussi. Oh, il a une flèche là. Faut vraiment que j'arrive à aller en haut de sa tête pour être tranquille. S'il veut bien grimper, notre petit Vanda. Aïe! Aïe, 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 aïe! Ouh là 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 là! Ok, ça sonne là. Va falloir que je me repose un peu. Ouf! Très belle colonne vertébrale, monsieur. Félicitations. Ouh. Bon, on va essayer de trouver une position correcte. Que ce que je n'ai pas là pour l'instant. Ah, oh, j'étais presque. J'étais bon là, j'avais chargé mon coup, c'était pas trop mal. Va falloir que je me repose un peu là. Je vais essayer de. Ouf. Il y a des romans aussi chiants que le colosse numéro 3. Allez. Au moins. Au moins aussi chiant. C'est pas plus. Et c'est la chute, et c'est la chute. Et putain, mais pourquoi il reprend pas sa stamina? Je comprends pas, là. Vas-y, là, c'est bon. Voilà, allez, reprends des forces un peu, là. Fou, saoulant, ça, hein. Ah, c'est en fait, dès qu'on tombe, on peut pas... Ah, ok, j'ai compris. Ok, ok, ok. Arrête de bouger, barbu. Oh. Là, c'est bon, là. Ah, c'est pas bon. Ok, là, premier coup. Voilà, ça va le calmer un petit peu, peut-être. Vite, on charge le deuxième coup. Vite, 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 vite. Allez. Putain. Bon, franchement, ouais. Par rapport à la version PS2, le héros, c'est juste... il est en mousse, quoi. Il est juste en mousse, sérieux. Je sais pas si les mecs, ils ont changé quelque chose dans la physique du jeu ou je sais pas quoi. Mais, je veux dire, je me rappelais pas que... Il bougeait comme ça, quoi. Enfin, je veux dire, normalement, il tient un peu sur ses appuis, quoi. Là, il tient pas du tout. Ah si, là, j'ai une bonne position, là. Voilà, parfait, là, j'ai trouvé la bonne position. Je suis juste derrière sa tête. Allez, attaque. Voilà, là, j'étais bien, là. Donc, j'ai rien dit, en fait, ouais, faut vraiment... Merde. Il a plus de points faibles. Voilà, en fait, c'est ça, il faut trouver une position adéquate où le héros il sera bien sur ses appuis et du coup on pourra l'attaquer sans difficulté, sans subir les secousses. Le point faible, il est où, s'il vous plaît? Il est dans le dos. Oh oui, dans le dos. Prendre dans le dos, ce serait un peu plus compliqué parce qu'on a pas de point de repos. Alors, on va se lâcher un petit peu. Ouf, ouf, ouf. Ça fait être une erreur fatale. Je sens que ça va mal finir cette histoire. Non, là je suis bien là. Là je suis très bien là. Là je suis très très bien là. Vas-y. Un bon coup. Ouh là, il a souffert là. Charge ton coup. Vite, vite, vite. Charge ton coup. Charge ton coup. Ah putain, j'étais bon là. Merde. Ouais. Bim. Ouh là, je suis en train de lui faire très très mal à ce colosse là. Là je lui fais très très mal. Ouh oui, là franchement. Là, celui-ci m'aura pas posé trop de difficultés. Ah, ouais, ça fait plaisir de voir quand même que... Putain, ouais. On arrive à les buter quand même assez facilement, mine de rien. Le bon petit bag qui va bien, celui-là, je peux me permettre, hein, franchement, parce que je lui ai mis. Ok, ben voilà, bah, c'était le sixième colosse. Hein. Pas trop long pour une fois, ça va, c'était...
Donc c'était une vidéo un petit peu rush, hein, du coup. Bah, c'est bon, il en faut, hein. Donc je vais sauvegarder, et puis voilà, le géant emmuré. Oh, le pauvre. Voilà, donc après avoir battu ce colosse, je vous dis à demain pour l'épisode 7 de Un jour un colosse. Salut!